Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve pour l'épisode 8 de notre let's play sur God of War. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre let's play avec Kratos et Atreus pour combattre tout simplement les dieux nordiques, on va pas se cacher. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve après à avoir piqué tout simplement la lumière d'Alfheim et qu'on a transmis à Atreus. Donc maintenant son arc est recouvert de flèches magiques, donc comme vous pouvez le voir là en bas à droite, mes flèches sont devenues bleues et puis pouf. Voilà, bref, ça fait super truc joli, donc ça veut dire que maintenant on peut activer des ponts comme celui-ci. Et aujourd'hui, on va quand même continuer un peu notre avancée. Et je pense qu'on va tuer énormément d'elfes noirs, encore une fois, aujourd'hui. Là, juste devant. Il pourrait peut-être nous aider à quitter cet endroit sordide. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Ah oui, ok, d'accord. Va falloir le porter jusque là-bas, je pense. Enfin, je pense. Je suis quasiment sûr hein, quand même, parce qu'on commence un peu à connaître le display, mine de rien. Tu vois, il faudra soit le mettre là, soit là-bas. Là-bas, je pense que c'est pour continuer, donc on va essayer de le mettre là. Juste pour voir, juste pour voir. Ouais, ça va nous permettre d'accéder au pont là-haut. Donc c'est ok. Et aujourd'hui, les amis, ça va être un épisode full découverte, parce que la dernière fois, je vous rappelle que je m'ai... Enfin, que j'avais tout simplement oublié... malencontreusement de filmer le jeu, donc ce qui est ballot en soi, on va pas se cacher, mais j'espère quand même que l'épisode vous a tout de même plu hein, parce que il était quand même qualitatif, il était magnifique en plus, donc clairement on avait de quoi faire. Alors oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est content d'avoir ça, mais je sais pas si il me semble qu'il faut l'ajouter, genre ce qu'on avait vu la dernière fois. Pas là. Bah, est-ce que c'était là? Non, c'était pas là parce que c'est le truc de hache qu'on sent pas les reins par contre sur les. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que là je peux mettre quelque chose ou pas? Genre, pas du tout. Non. Emplacement, ouais. Et là, ouais. Non. Là, on n'a pas encore d'emplacement sur celui-là donc il faudra juste s'améliorer pour mettre un emplacement supplémentaire. Et pour pouvoir mettre l'enchantement unique. Voilà. Donc non mais je commence à me familiariser, aussi j'ai acheté quelques compétences pour Atreus pour qu'il fasse, pour que la cadence de tir avec l'arc soit beaucoup plus rapide. Regardez, maintenant il lance des flèches en fait tout le temps, genre vraiment. Donc ça fait plaisir et aussi pour qu'il soit un peu plus agressif en combat. Donc voilà, on a essayé de faire un peu tout ça, par contre ça fait des bruits de malade. Putain j'ai bugué, je fais, attends, mais il n'y a plus de pont, comment je fais pour monter? Oh, c'est beau, genre c'est magnifique genre. Tous les détails. On peut le défoncer? Putain, on peut interagir avec le décor. Ah, c'est incroyable. Ça, par contre, les amis, je suis bluffé. L'ami. Ah. Ah. C'est ok. C'est ok, c'est ok, genre. Hop. Oh oui. Voilà, bam. Vous avez vu un peu? Charge du givre. Ça fait plaisir. Du coup, on est où, là? Et on est où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, là. Tout simplement. Nah, ça va pas être aussi simple que ça. D'accord, ok. On n'oublie pas évidemment le bon réflexe. Parfait. Donc ça fait quoi? Ah, c'était pour le petit coffre là, les gars. Ça fait plaisir. Genre un petit peu de découverte. Intéressant. Ok. Donc là maintenant, il suffit de traverser ici. Juste là, mon grand. Hop, vas-y. Voilà, c'est ça qu'on aime. Nani. Hop, hop, hop. Oh, t'es fait. Ah oui, c'est vrai, parce que d'accord. En fait, si vous voulez, quand je relance des flèches d'Alfheim, genre ça leur fait un truc de poison. Je sais pas quoi. Voilà, et du coup, ça les affaiblit de ouf. Et ça, c'est cool, genre vraiment. Donc, le but de venir ici, c'est surtout pour... Ah oui, d'accord, j'ai... On a... Surtout pour détruire ça, en fait. Alors... Oui, c'est sûr que si je vise pas bien. Enfin, je peux activer le cristal si tu me trouves un angle de tir. Bah écoute, mon grand... Remontons à la surface. Voilà. Ah! Ok, dans ce sens-là, très bien. Donc on va falloir faire demi-tour, revenir sur la plateforme principale. D'accord, donc on va faire des petits allers-retours, c'est un peu en mode énigme. On aime. Ça fait plusieurs mois, ça fait longtemps que j'ai pas joué à God of War, je vous avoue, genre ça doit faire bien une semaine.
Et les amis, oui, je voulais vous dire un peu que en ce moment, j'ai repris les lives. Du coup, sur vraiment beaucoup de jeux, genre par exemple, la dernière fois, on avait joué à Black Ops 2 avec Citorax. Ensuite, on a joué à quoi encore? J'ai fait un let's play sur Geekan of Bart. Donc, n'hésite pas à me rejoindre quand je lance. Donc, ça sera toujours annoncé sur mon Discord. Donc. Et si on va reprendre le Minecraft à fond là, que ce soit avec l'arrivée des snapshots, ça pourrait être toujours sympa de vous les faire découvrir avec nous. Bon, n'hésitez pas pour le coup à venir checker ça, parce que ça me fait plaisir de vous avoir et pouvoir interagir avec vous directement. Bon. Bam! Bam! Ah, ça y est. J'adore. En vrai, là, Atreus, il vient de commencer à devenir très très intéressant. Genre vraiment. Ok, donc, alors toi. Nani? Nani? Oh là là. Vas-y, Atreus, c'est le moment. Et voilà. Parce que maintenant, je maîtrise un petit peu un combo qui est de l'affaiblir et puis après, bam, lui mettre un énorme coup. Ah, j'en rigole. Ça fait très très plaisir. Ouais. Donc, faut continuer par là. Donc, n'hésitez pas à venir revoir ma chaîne Twitch qui est toujours dans la description de chaque vidéo, les amis, et d'activer les notifications comme ça. Vous serez au courant. Et puis, ça peut être. Et moi, j'adore juste papoter avec vous, genre vraiment. Ok, go! Tu vas mourir. Mais tu es très chanceux, mon petit. Enfin, vraiment. Aïe. Je vis bien, mais pas trop. Bon, voilà. Ah, bam, ça dégage. Voilà. Comment ça, il est pas mort? Bon, vraiment, s'il vous plaît. Enfin, vous comprenez pas. Nani, oui, Nani. Voilà. Bien. Eh, les combats deviennent de plus en plus intenses et puissants, et ça j'adore. Alors clairement, on voit l'évolution par rapport au début, et ça fait très très plaisir. Frappe d'Udgar, attaque runique rapide. Ah, intéressant. Ouais, bien ou pas? Ah, là ça me rajoute un gif supplémentaire, alors que là ça fait quand même pas mal de dégâts. Non, je vais garder la tempête de Nior. Genre vraiment. Parce que c'est quand même assez stylé, on va pas se cacher. Est-ce que là je peux passer? Non. Est-ce qu'il faut que je réactive ça? Ah non, justement, faut que je désactive. Eh, bah oui. Voilà. Tout simplement. Et donc là, ça faut que je prenne. Faut que je prenne. Faut que je foute là-bas. Dans ton cul, gamin. Tu vas adorer. Ah la bam. Allez, fais-moi ça. Merci. Parfait. Atreus. Eh mon pote. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Bien, au moins on découvre quelques secrets là. C'est toujours assez intéressant. Par contre, je vois pas de corbeau dedans depuis le début. Hein. Ah bah super, il a tout cassé. Il a tout cassé, un truc génial. Gamin, viens là. Pas connaissance ajoutée. La lumière d'Alfheim, de la lumière nous naissons et à elle nous retournons. Elle est la rivière des âmes qui nous transforme, nous consume et transcende la vie et la mort. La lumière est la vérité, la lumière est tout. D'accord, la lumière, elle a l'air géniale. Mais elle ne rendrait pas un peu fou? C'est vrai. C'est vrai. Alors. Tiens, mais qui voilà? Comment je suis censé l'attendre? Alors, je te sens un peu insolent, mon garçon. Ok. Alors, on va monter par là. On sait tout ce qu'on va devoir faire. Genre, on va devoir aller derrière et tout libérer. Ok, et une fois qu'on arrive là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a un bon angle de tir? Pas du tout. Bon, vraiment pas. Ok, faites voir. Donc là, on a rien. D'accord. Et là, on a forcément le mur qui bloque. Il faudrait être derrière pour pouvoir tout activer. C'est vraiment dégueulasse, hein, ce truc. Vraiment. Si j'étais peut-être de cet angle là-bas. Si j'arrivais à monter ici. Est-ce que je peux monter là? Non. Très bien. Super. Bonne ambiance. Ah, ok. Là, je reviens carrément derrière. Mais si, je peux monter là, genre. C'est juste moi qui suis un peu demeuré parce que j'ai pas vu le passage. Avouez-le. Je suis complètement demeuré, bordel de merde. Ah bah non. Non, c'est qui? Oh.
Troisième est là. Ok. Bah cool. On a réussi à débloquer quelque chose, super, on est content. Où est-ce qu'on va maintenant ? Arrête, s'il te plaît, de dire ça. Hein, je trouve des solutions. Faudrait qu'on arrive à monter là-haut. Genre no joke. Mais comment qu'on fait ? Ah mais je suis bête ! Tout va bien. En fait, voilà. Faut reprendre ça. Non mais c'est bon, hein, ça va. Je suis un peu fatigué, je vous avoue. Je suis en mood lendemain de soirée. C'est-à-dire que... Pourquoi pas ? Que je suis Faya. Putain, mais what the fuck ? Eh, mais tu es très insolent, mon garçon. Genre, tu vas te prendre une mandale, frère ? Je vais t'exploser au crâne contre Mars, eh. Bon, je te l'ai dit. Allez, Zopidoa. Bon, tu tires sur ça. Et ça fait un pont. Parfait. Comme on a fait le bridge. Pouvoir monter, obtenir le coffre. Et surtout avoir un magnifique angle de tir sur là où on veut aller. Voilà, là. Ah bam 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 bam, ça dégage. Hop. Alors par contre. Merci. Genre avant. Au lieu de plier un temple sacré, on pourrait peut-être trouver un moyen de sortir. Quand j'aurai besoin de ton avis, mon garçon, je te le demanderai. Mais what the fuck ? Mais what the fuck, les amis, what the fuck ? Genre vraiment ? Genre il est en train de nous get wreck là, notre gosse, depuis tout à l'heure. Genre il est d'une force. Mais ça me choque. Moi je suis choqué. Kratos, je suis mal élevé. Hop là. Non vraiment Nani quoi. Ah moi ça me... Moi ça me plaît pas ce comportement, hein, pour vous le dire. Tu dois pouvoir atteindre la vasque. Oui. 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 Comment tu atteins la vasque du coup? Attendez les amis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et oui, ok. Donc c'est pour ça qu'en fait ça me paraissait louche. Genre vraiment il y aurait eu une petite hélice, en plus ma vidéo s'est arrêtée en mode what the fuck. Mais voilà, en fait ce trou était tellement... était tellement tapé à l'œil, voilà. Attiré tellement l'œil que... Au plus grand arbre, tout commence comme moi. La graine. Ces graines, ces ennemis sont stupides. Oui, parce que c'est marqué là. Juste là, là, on le sait, voilà, bam, on se détruit par la vocation. Nani. Oh. Ah, du coup, ça se transforme en porte, ok. C'était... Parfait. Revoilà l'elfe avec les cornes. Ah, le connard. C'était tous les elfes blancs qui sont rentrés à l'intérieur, c'est ça ? Ou toi ? Ou toi ? En même temps, il t'a un peu enlevé, genre. Eh, mais tous les elfes blancs, ils sont en train de rentrer chez eux. Et la lumière est 20 fois plus intense qu'avant, dis donc. On doit vraiment redescendre là-dedans. Putain. Tu vois un autre chemin ? Ah. Alors. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ok, donc là, je pense qu'on va avoir un petit combat de boss, les amis. Genre, ça va faire plaisir. Surtout, j'aimerais bien pouvoir ouvrir les cages avec le regard. Mais je pense que je vais pouvoir maintenant. C'est vrai que j'ai acquis les pouvoirs les plus impressionnants au monde. Ah, parfait. Nani. Putain de guerre, ok. Pourquoi pas? What the fuck, c'était pas comme ça, non? Hmm? Non, je suis vraiment jamais venu là. Et bon, c'est quoi qui fait de la lumière sur nous? Ah, c'est la lumière d'Alpha, et bah oui, forcément. Genre, on a une lampe torche géante. Y'a aucun moyen de remonter ici, tu sais. Je sais. D'accord, pardon, autant pour moi le jeu. je reviens. Et du coup, on remonte par où, genre... Ah, ok. Parce que c'est bien gentil 30 secondes, mais bon. Parfait. Ça pue, ça. Presque rien. Il y a de la lumière. Débrouille-toi. Ça pue la mort, genre...
Nani. Oh non, 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 pas la sorcière. Pas la sorcière, clairement pas la sorcière, vraiment. Allez, allez, mitraille là, mitraille là, mitraille là. Oh non, pas la sorcière, pas la sorcière, je déteste ça. Non, elle s'est pas censée être à Midgard, il me semble qu'on était dans Midgard à un moment. Aïe, calme-toi, vraiment. Hop, ok. Merci Atreus. Allez, ça dégage. La deuxième. Aïe, Atreus, mitraille. Oh putain. Ok, mes attaques changées comme ça fonctionneront jamais. Nani? Nani? Aïe, Nani? Aïe. Oh, respectons-moi 30 secondes. Allez. Oh, d'où tu te marres là? Bam, bam, bam. C'est ok. Voilà. Bon les gars, hop. Voilà, parfait. Ouh. Ça m'aiderait que tu tiennes la lumière en hauteur pour que je vois où je tire. Fie-toi à ton ouïe, adapte-toi. Mais what the fuck Marrant, très triste, c'est grave vénère genre. Et après ça tu meurs. Alors c'est vrai que là, j'avais pas moyen de détruire ça comme ça la dernière fois. Mais c'est-à-dire que le reste est où en fait? Des boules, parce que j'aimerais bien atteindre ce coffre. J'aimerais beaucoup atteindre ce coffre. Allez Atreus, vas-y, attends, on pose le cœur. Parfait. Est-ce que là j'ai un meilleur angle de vue ou pas? Parce que regardez, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose, genre. C'est bizarre, ce coffre est très bizarre. Je vois pas trop bien le concept. Alors, hop. Voilà, Nani. Aïe, Nani, ok. Nani, hop. Voilà. Ok, donc ils sont tous R3 là, parfait. On peut tous en mettre un coup de grâce. Ça fait clairement plaisir. Comment ça? C'est un peu flippant là, genre on était bien. Hein. Ok, donc on va pouvoir vraiment tout ouvrir. Donc ça c'est parfait, butin de guerre encore, nickel. Non, c'est bien, au moins on trouve tous les petits artefacts, tout ce qu'il faut trouver. C'est parfait, en plus on continue à explorer, donc... Moi, ça me fait clairement plaisir, genre ce genre de... Petit épisode full explo, ça me fait grave plaisir. Ah, j'ai pas fait de remarque, mais c'est vrai que notre rage a augmenté. Ok, admettons. Tu peux y aller maintenant ? Tu vas emmener ce cristal partout avec toi comme l'autre ? S'il le faut. Je vous jure que ça me choque un peu qu'il nous parle comme ça, sachant qu'au début il était très très obéissant, mais je pense qu'au moment on va lui foutre une tarte, genre... Genre il va clairement me saouler. Non, c'est horrible de dire ça, non, ne faites jamais du mal aux enfants. Alors, je crois qu'on s'est mal compris à un moment de notre vie, genre... Aïe. Hop là. Eh ben non, dommage. Ah, ah. C'est marrant, gamin. Allez, juste pour quand même le coup critique, même si elle est plus vite. Hop, c'est gauche. J'adore. Je surkiffe. Ah, parfait. Mais on rigole. Voilà, on voit pas le fond de Nicole. Hop là, parce qu'il faut juste aller en bas. Et là, peut-être qu'on aura un meilleur angle de vue pour avoir le coffre. Je souhaite, j'espère. Ou pas, mais c'est pas grave. Je vais tester. Si. Atreus, tire. Je sais ce que j'ai à faire. Bah non, pas trop. Voilà. Ça fait quoi? Ah, ça m'énerve là. Attends, parce qu'on en a un autre là, du coup. Mais on voit pas le celui du coffre. Intéressant. On a un coffre perdu, du coup, là. Ça m'étonnerait qu'on puisse s'y retourner. Utiliser la vasque grâce à laquelle on est descendu la première fois. Ouais. Je supporte plus cet endroit. Ouais. Attendez, bon, j'aimerais juste vérifier un truc. Genre, ça va être très très rapide. Ne vous inquiétez pas. N'ayez crainte. Et vous savez comment je suis, on va commencer à comprendre un peu mes agissements. C'est juste que là, il y avait
Il y avait des cages. On pouvait point ouvrir. Est-ce que là, elles sont vertes? Il me semble qu'on pouvait pas les ouvrir ici. C'est ce que j'ai bluffé. Ouais, j'ai bluffé, ouais. Ces cages-là, on pouvait les ouvrir. C'était les autres en haut qu'on pouvait pas ouvrir. Et là, ça va être intéressant. Allez, hop. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pas maintenant. Genre. Voilà. Alors là, il y a des... Non, là, il était censé y avoir du monde, hein. Alors, d'après mes souvenirs. Ok, donc là, il y a que Pouic, en fait. Que Pouic, c'est que peut-être, par contre, tout a été ouvert. Nanio. Pareil, là, j'ai un coffre. Je ne peux pas ouvrir. Faut à tout prix que j'ouvre cette porte. Enfin, je peux même pas passer sur le côté. Ouais, non, c'est ça. C'était ça la blague. Genre, tu peux pas. À moins qu'attendez. Plus, tu peux tirer. Ouais, non. Non, non, non. Tant pis. Allez. C'est parti, les amis. On change de territoire. On va revenir. Dans notre monde à nous, dans notre royaume. Mais what the fuck? Mais t'es qui toi? Aïe. Comment ça à genoux? Comment ça à genoux? Je crois que t'as mal. T'as pas compris qui j'étais? Tu me dis pas à genoux moi, genre vraiment? Attention, ça fait mal. De fait, très insupportable cet homme, genre vraiment. Du début, il nous cassait les steaks. Monsieur. Là-bas. Très bien. J'aime bien parce qu'on lui met un coup de hache, ça lui fait strictement rien. Oula. Hop. C'est pas sympa ce qui s'est passé. Hop! C'est ok. Il est où? Il est où? Ouh là là. Ouh, ça pue ça. Ouh, ça pue. Allez, hop. Ouais, nickel. Je recouvre la vue. Là-bas. Oh, mais fais chier! Je sais qu'il est là-bas en plus. Là. Parfait. Hop, tac. Allez. Casse le steak. Il est où? Il est là! Eh, reviens-toi. Franchement, toi, tu descends, mais instantanément. Il est passé où? Il est où? Mélanie, qu'est-ce que t'as cru faire, là? What the fuck? Ah. Allez, on esquive, facile. Aïe, putain. Oula, mec. Dommage. J'étais très très chaud pour en foutre une, mais comme j'ai. Ah, par contre, je suis très low life. Ah, mais putain, il me laisse à chaque fois des petites crottes. C'est chiant. Non. Alors maintenant, on va juste se poser 30 secondes. On va me dire comment j'étais pour mourir. Ah d'accord, ok, en fait il met quand même des dégâts, what the fuck. Wallé. Ok, c'est ok, j'ai compris toute la subtilité du geste. Même. Ok, ça va le faire. On va y arriver les amis. J'ai vu que là il y a une petite pierre. Ah parfait. Bon, alors d'ailleurs comment il s'appelle? Le Stavalochfur. C'est pas un nom ça. Non, attention! Ça y pose, ça fait mal. Oh! C'est ok. Bon. C'est bon, ok. Non, attention, recule! Voilà, ok. Ah! C'est compliqué! Il est compliqué parce qu'il est très vif, le petit haut. Il est très vif. On le voit, c'est, ça se ressent, un fun de lui, qu'il est vif. Non mais c'est bon, ça va aller.
C'est ok. Est-ce qu'on est full life? Ouais, on est full life. C'est bon. Ah, j'ai perdu une fois, pas deux. Hop là, c'est gage. Directement, on se met en mode fureur. Et là, c'est parti. Ah bah écoutez, les gars, on a aucune pitié, genre vraiment. Hop, hop. Clairement, là c'est parti pour défoncer. Maintenant, on est là pour défoncer du temps. Là, c'est le Clash des Lopez, mon gars. Je cherche pas. Hein. Il est où? Il est où? Là-bas. Oh là, putain, j'essaie à chaque fois de contrer, mais j'y arrive pas. Hein. Et hop, 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 hop. Il passe où? Là. Ah, zut, zut, zut. Voilà, bam. Ok. Ok, ok, les amis, ça se fait, ça se fait. Par contre, lui, c'est le big boss des elfes noirs. Genre, là, il est clairement pas content qu'il ait détruit sa ruche. Oh là là là, oh là 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 là. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Il est où, Atreus? Il est mort? Atreus! Ok, bam. Ah, fais chier. Voilà. On va pas se vanter de mettre des petites attaques vraiment sympa. Pas sûr. Là-bas. Putain, en fait j'arrive à le toucher, what the fuck. J'arrive pas à le toucher. Ok, là j'ai réussi à contrer quand même. Oh, non, non, banane. Voilà. Je. Pourquoi pas. Pourquoi banane, je sais pas les amis, mais c'est ok. Oh, bon. Ok, parfait. Tac. Ok, donc maintenant je sais qu'on contre. Aïe. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Hop, on va se prendre ça. Voilà, comme ça on est full life. Il est où? Il est où? Aïe. Qu'est-ce qui se passe quoi là? Alors, pardon, mais j'aimerais bien avoir ça. Et comment faire ça? Tain, je suis complètement paumé. Ah ouais, avec le blindness, genre. Ça m'est clairement pas bien. Hop. Ah non. Attention. Ok. Voilà. Hop. Et là les amis, mais on est fini, mais tellement. J'oublie à chaque fois de me protéger, genre vraiment, c'est terrible. Mélanie. Attendez, 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 j'avais vu de la vie là, j'avais vu de la vie. Ah parfait. Bon c'est déjà ça, genre, c'est quasiment rien mais c'est ok. Oh là, oh mec, mais c'était la pire erreur de ta vie. Là vraiment, vraiment mon frère. Hop là. Allez, 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 allez. Non. Oui, c'est bon, on peut se réanimer, c'est ok. Alors là, vraiment très très gros sum. Oh là mon gars. Je suis presque sûr qu'il avait dit les coccinelles sont des coléoptères. Clairement, alors, colère du loup, invocation runique, invoque un loup spectral qui se jette. Mais oui! Je le veux! Maintenir carré fort? Laisse-moi deviner, tu vas me prendre de haut et dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait pas s'en mêler. Ça suffit! On peut y aller maintenant? Tu te souviens de la réponse? Oui, oui. Putain mais what the fuck, mais mec genre on t'a sauvé là, on a fait un combat magistral magnifique, genre très très galère aussi, on va pas se le cacher Atreus, genre ça. Lisa, Atreus, qu'est-ce que ça veut dire? Les seules fois où tu me parles c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore si là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. Atreus. Oui.
Oublie ça. Très bien. Petit règlement de compte avec papa. On va se cacher. Alors, on a quand même des choses à faire, les amis. Parce qu'on a peut-être. Il faut peut-être retourner dans notre royaume. Mais je vous rappelle que nous, on avait des petites zones annexes, entre guillemets. Allez voir, mine de rien. Minoche. Hey, les elfes blancs. Écoutez, on s'en est mêlé. Bon, ça nous a rapporté que du bon. Donc c'est ok. Hein. Genre, mais il y a tellement de puissance. Ouf. Alors là, est-ce qu'il y avait un petit cristal à activer pour puisse passer? Ah, c'est vrai, je me posais la question sur ce que c'était, c'est de base. Donc faut aller là-bas. Ça, faut arriver à les détruire. Depuis là-bas. Donc on a vu qu'on a quand même laissé des coffres. Hein, donc en soi, je sais pas si c'était possible de faire la zone à 100% ou non. Ouais, là, on peut pas y aller encore. Me demande un truc, est-ce que Atreus est capable de détruire ces petites bouboules? Parce que nous on peut, ok. Mais est-ce que... Ouais non, sinon s'il me semblait, on peut pas. Genre, je suis en mode, ah on peut? Vraiment? Non, non, on peut pas, pas pour l'instant. Très bien. Bon, au bout d'un moment, on découvrira, on arrivera à découvrir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est ok, alors. Bon bah mine de rien, on a réussi à finir Alfheim. En tout et pour tout, c'est pas mal. Tout ce qu'on va faire, mais on va commencer à rentrer au bercail, hein. Écoute, bon, arrête de me troll le GPS, genre. Là-bas. Ok, bon, entre la zone est magnifique. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va continuer un peu vers là-bas. On va rentrer tranquillement. Alors, au final, on a réussi à voir la lumière d'Alfheim. Elle était dans la lumière. Qui? Tu sais bien. Non. Ah, ça t'intéresse, hein? Elle n'était pas là. Petit con. Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis. Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré. Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon. Et laisse-moi faire le mien. Je suis désolé. J'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu? Tu ne me connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants. Si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir. Vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir? Ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume? Et on va retourner à Midgard, les amis, et ça, on va le faire, je pense, dans le prochain épisode. Donc, on va commencer à s'avancer, bien évidemment. Et c'est une sacrée discussion. En vrai, là, c'est cool, ce genre d'après de petite discussion, parce que... Mère était une guerrière. Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte, sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre, d'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri et Brock de lui faire la hache. Elle avait la force. Voilà, vous avez été occupé, est-ce que je vois? On ne peut rien cacher. Mon sens de l'observation est légendaire. Eh, hey, mais t'es là, toi. Une minute. Qu'est-ce que tu fous là? Oui, entrez. Objet perdu, vous avez perdu des objets, il s'agit des objets que vous avez égarés sur le champ de bataille. Nani? J'ai perdu des objets sur le champ de bataille? What the fuck? À quel moment? D'accord, ok, donc là on a tout ce qu'il faut. Ah, c'est toutes les améliorations que j'aimerais bien faire. Ah voilà, mais améliorer tout simplement. Protection du torse. J'utilise quoi actuellement? Le truc de sanglier, on s'en bat les reins. Non, ça s'en bat les reins. Voilà, protection de la taille. Ça, moi, je m'en bats pas les reins. J'aimerais bien que tu améliores, s'il te plaît. Merci bien. Voilà, c'est parfait. Comme ça, c'est un peu plus... c'est plus mieux, hein, c'est meilleur. Clairement. Et puis voilà, donc les amis, on va se laisser là, et je disais, ouais, ce genre de conversation avec Kratos, c'est vachement intéressant, parce qu'on nous montre qu'il est quand même assez humain, malgré son côté bestial et tout, et donc ça fait plaisir, et surtout, ça renforce les liens père-fils.
Parce que c'est notamment une aventure pour Atreus de faire le deuil. Enfin, c'est en soi une aventure pour faire le deuil de quelqu'un, mais aussi pour tisser des liens père-fils. Et le lien familial est juste ultra important ici, ça se voit de ouf. Et du coup, voilà, bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est, n'hésitez pas à lâcher le lourd pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter, les amis, ça me ferait extrêmement plaisir et ça montrera que vous soutiendrez la chaîne. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo. Bref, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde, c'était Italo. Bye bye.